Alors là, normalement, on devrait m'entendre. Alors là, ouais, c'est bon. Alors, je vais juste sortir le chat au cas où, parce que je ne l'ai pas fait avant. Hop là. Hop. Hop. Alors. Studio mode, parce que on a un super overlay, tout ça. Je vais lancer le jeu, vous allez me dire si ça marche. Alors le premier jeu c'est Mancage. Mais vaut mieux faire en games plus démo, je crois. Comme ça. Ou peut-être avec un S à démo, je sais plus. Il y a une catégorie, parce que le jeu n'est pas encore sorti, donc je sais pas s'il est. S'il est dans les. Dans la base de données. Alors, source, capture, game capture. Alors, a priori, c'est bon, vous commencez à entendre le jeu. Je sais pas du tout si ça va au niveau des sons. Ce que ça donne. Félicitations, Jarmou. On va plutôt mettre la barre en bas. Ok, normalement ça a transitionné. Oh là là, c'est tellement bien foutu. Alors. Ok, donc là le principe du jeu normalement c'est de faire différentes perspectives avec chaque face du cube. J'avais juste vu une démo à l'époque, un petit trailer. Est-ce que le jeu est pas trop fort là par contre? Ok, merci. Peut-être un peu faible, bah, je vais peut-être pouvoir l'augmenter un tout petit peu. Ici, je crois. Alors, normalement, il faut aligner ça parce que ça se ressemble. Yes. C'est quasiment le seul truc du jeu que j'ai vu. Et l'idée, c'est de résoudre, voilà, les petits puzzles en alignant différents éléments. Zoom out, il suffisait que tu... D'accord, ça a changé la scène complètement. Merci Nathan pour la modification. J'ai aucune idée de ce que je fais là, je vous préviens. Il y a des photos. Bon app Nathan. Et est-ce que ça va niveau stream là? Parce que a priori j'ai pas l'impression d'avoir perdu des frames. Ok. Non bah c'est cool. Parce que la dernière fois que j'avais streamé, mon bitrate était beaucoup plus bas. Mais entre-temps j'ai un peu changé le type de connexion, c'est pour ça que j'ai. J'espérais que ça aide un peu. Je vois que. Non. J'ai l'impression qu'on peut aligner la lampe et la grue.
Non, peut-être pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ici, ça brillait. Je voulais voir ça tout à l'heure. Je sais pas ce que ça fait. Ah! Yes, yes, ok. Je crois que j'ai compris. Si j'aligne ça ici. Yes! Ah, c'est. J'aime bien le principe, hein. Donc là j'ai ouvert ça. C'était pas là avant, je crois. La poulie là, ça ressemble à. Non. Et a priori, à chaque fois que j'ouvre un nouvel environnement aussi, ça rajoute une face. Si jamais vous voyez quelque chose que je vois pas, n'hésitez pas à me prévenir. J'ai l'impression qu'il y a, rien de spécial dans cette scène, mais. Là, il y a le câble. Ah, je peux dézoomer aussi, c'est vrai. Peut-être que ici. Non. J'avoue qu'en VR, ce serait sûrement intéressant de pouvoir tourner autour de l'objet. Mais ça serait sûrement plus dur au niveau des perspectives différentes. J'ai déjà pris quelque chose ici, hein. Ouais. Je peux le refermer, mais c'est pas super utile. Ah, stop, stop. Je sais plus s'il y avait quelque chose là. Mais comme il y a l'appareil photo, je me dis que ce sera peut-être pour plus tard. Je peux rien faire avec ça. Ah bah, si, ça y est. C'est aligné là. Aligne, aligne. En fait, comme c'était pas le même zoom avant, je m'étais dit c'est pas la peine. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ça a ouvert, d'accord. Un vélo. Y a ça aussi. Ouvre ça pour voir. Yes. Un petit drone. Qu'est-ce que je peux faire de ce vélo? Y a comme une roue ici, mais alors je crois pas que ce soit possible, genre sur celle-là je peux pas dézoomer par exemple. Ah mais par contre je peux peut-être. Ouais. En fait faut se souvenir dans quelle face on a zoomé je crois. On peut pas dézoomer si on n'a pas déjà zoomé avant. A priori ça a l'air de se passer comme ça. Je peux rien faire avec ça, je crois, ouais. Ça a toujours été ouvert, ça? Je me souviens plus. Parce que dans ce cas. Non. Ah, il est plus là. Ça y est presque, non? On va dire que celle-ci c'est bon. Est-ce que. Non, c'est pas ça que je voulais.
Est-ce que je peux zoomer sur d'autres endroits? Pour l'instant, c'est pas ultra clair les endroits où je peux zoomer ou non. Mais c'est un peu du détail. Ah, peut-être que je peux juste. Yes! C'est tout? Sérieusement? Ou alors? Ouais. Eh ben, je sais pas ce que je vais faire de tout ça. Où est-ce que je pourrais avoir besoin de ça? Ici, non? Oui, ici, c'est violet aussi. Yes. Donc, d'accord, donc faut que ce soit. Je crois que celui-ci doit être sur la gauche. Sous la grille, quand je tourne la roue. Là? Ah ouais, ça. Bien vu. Une photo. Oula. J'ai pas fait exprès. Bien vu, bien vu. Ok, et donc là. Yes. Alors, c'est pas évident quand il faut se souvenir de toutes les phases pour savoir ce qui va interagir avec quoi. Ah, c'est la selle, j'avais pas compris. Je me suis dit c'est une bouteille bizarre. Qu'est-ce que j'ai ouvert, c'est ça. Ah. On a une grue. Non, bah plutôt ça, mais non, le vélo, je pense pas. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ces trucs? Ah, c'est un zoom différent. Dans ce cas, est-ce que. Oula! Il y a des multiples bobines là. Ça irait. Et celle-ci. C'est pas tout à fait le bon zoom. J'imagine que c'est la fin du puzzle. Et un ascenseur en plus. Ici, je peux pas zoomer. On a toujours ça, j'ai pas touché à l'appareil photo non plus. J'avoue que je sais pas du tout à quoi me sert cette zone. Si, ouais, non. Misclic. Il y a deux boutons, j'arrive à me planter.
Faut que je surveille le temps aussi. Faut que je compte 20 minutes par jeu à peu près. Il reste encore 2-3 minutes de ça. C'est dommage parce que ça tombe vraiment bien ça. J'aimerais bien pouvoir zoomer sur la... Enfin dézoomer et zoomer en même temps. Je vais changer d'angle quoi. Ah, ça veut pas hein. Un mail de Twitch. A priori non pour moi. Ah quoi que non, c'est pas la bonne boîte mail d'ouverte. Je ne sais pas du coup, perso. Ah ouais, ils veulent réduire la bande passante. Ouais, j'aime beaucoup le look du jeu en tout cas. Mais j'avoue que je suis un peu bloqué. Est-ce que je peux pas tous... Non, je... Ça m'embête un peu de... Si je laisse le jeu sur ça. Ah, ça marque quand on peut zoomer tout simplement. Genre... Ouais, ça on peut interagir. Et ça on peut zoomer, oui. J'avais pas fait attention. Bon, ça m'aide pas, mais... Les boîtes. Les boîtes, la trappe. Ça tourne. Là, il n'y a rien d'intéressant, je crois. Quoique, et si... non, non. Et non. Bon. Je crois que je vais pas aller plus loin sur ce jeu, malheureusement. Si vous voulez l'essayer vous-même, il est actuellement en démo gratuite sur Steam. Et ça s'appelle Moncage. M-O-N-C-A-G-E. Ou Moncage. Je sais pas exactement. C'est un jeu chinois, je crois, de base. Mais là, j'avoue que... Ouais. Je ne sais pas, donc on va faire la petite transition, le temps de changer de jeu. Et je ne sais pas comment quitter. Donc on va faire Alt F4. Hop. Je vais vous écrire mon cave. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Et je vais lancer, tac 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 tac, filament. Filament. Capture.
click all the images ni vu ni connu. Docking procedure initialized. Ah oui, pardon. Ah. 3, 2, 1. Docking complete. Welcome to your destination. Bon, j'espère que vous avez compris les sans les sous-titres. Bon, c'est pas très très important de toute façon. Je crois qu'on explore une base ou quelque chose comme ça. Alors, je sais plus si les contrôles c'était. Ouais, c'est bon, c'est AZERTY. Ça va toujours niveau son là, comme j'ai changé de jeu, mais je suppose que ça va. Petite musique sympa. Donc j'ai pas été plus loin que ça. Donc je sais qu'il faut activer des trucs comme ça. Et... D'accord, et on peut pas traverser notre propre fil. Jusque là tout va bien. D'accord. Donc moi je pensais qu'on était le bonhomme là. Mais en fait on pirate la porte. Cool. F to focus. Ok. Donc ça c'est un mur, c'est ça? Ouais. Jusque là tout va bien. Hello? Bonjour. Someone there? Hi? You in the dungarees? Well, would you look at that? An intruder. C'est moi. You're a little more disheveled than your traditional knight in shining armor. I was hoping to be saved by someone without mustard stains on their dungarees, for one. Oh. But as you might be my only ticket off this vessel, I'll make do. I've been trapped in this cockpit for a few weeks now, and this is the first time anything on this damn console has perked up. Whatever you did to those anchors on your way in, it seemed to help. Ah oui, je suis trop bon. Oui, laisse-moi jouer. Si. Non. Ah. Ah, ça se complique un peu. Donc ma sortie est là. Ce qui veut dire que si je fais ça, je vais être bloqué. Ouais, ça sera pour la fin, ça. Ça sera d'abord comme ça. Hop là. Ah, ça passe pas. Il est bugué, votre jeu. Ok, je vois pourquoi il y a un pylône au-dessus. Ok. Ah ouais, il y a plusieurs niveaux. Donc ça, c'est la fin. Je sais pas pourquoi. Ok, si, c'est pour faire ça. Mais enfin... D'accord, ouais. Est-ce qu'on peut faire ça? J'ai cru que j'étais bloqué. Yes. J'ai joué à The Witness, moi les lignes ça me connaît. La sortie est de l'autre côté cette fois. Non, ça ira, je vais rester là.
Je crois que je me suis fait avoir là. Si je fais comme ça, là, ouais, ouais. Non. Allez quoi. Please. Ça va être la même chose là. Ouais. Genre je vais à droite comme ça et je reviens. Tu veux dire? Ah, ça peut passer comme ça en fait. Là on fait ça. Là on fait ça. Yep. Ça a marché. Ça se complique un peu, hein. Yep, yep. C'est tout un jeu, c'est une démo aussi de du festival Steam. C'est encore un qui est accessible gratuitement jusqu'à demain soir, je crois. Si vous googlez Steam Festival, il y a une liste d'une quarantaine de jeux, je crois. Ah, ça s'ouvre ici. Ici aussi? Non? Il y a un interrupteur. Ok, j'avais pas fait gaffe. Ouais. J'avais pas vu du tout la ligne. Ah oui, c'est beaucoup mieux comme ça. Ok, donc ça ouvre ici. Je vais juste explorer déjà, voir ce que donne le niveau. Ah, il y a le focus, ouais. Je peux faire ça aussi. Par contre, j'ai pas de pointeur, donc je peux pas montrer mon raisonnement. Donc, je suis pas sûr. Ok. Wow. Wow. Eh. Ça fait beaucoup de lignes quand même. Donc je crois que là en gros ça veut dire que cette porte peut être ouverte par trois interrupteurs différents. Ou alors il faut les deux. Je suis pas trop sûr. On va voir en allant de l'autre côté. C'est vrai qu'il y a un bouton pour revenir en arrière. Ouais, d'accord. Mais en même temps, ça serait bizarre d'ouvrir celle-là alors qu'il y a deux autres possibilités de l'ouvrir. Mais bon, on va voir ce que ça donne ici. Ouais. Ok. Où est la sortie par contre? À l'entrée, d'accord. Ah! Faut que je vérifie l'heure par contre. Ça va, il reste une dizaine de minutes. Donc je pense que l'entrée sur la gauche était un bon plan. Ensuite, pour ouvrir cette porte, il faut que je passe là. Ok. Finalement, je crois qu'il faut rentrer par la droite. J'ai très vite changé d'avis. Là on ouvre ici. Ouais, le problème c'est ça, d'accord. Parce que après j'ai juste à faire comme ça et ici, ouais. J'ai peut-être une idée.
Je suis pas sûr que ça passe avec la géométrie du fil. De venir ici, ensuite comme ça. Et ah bah oui, non, c'est complètement débile même. En fait, si je passe ici, ça va tout bloquer. Donc si je fais comme ça aussi. Ouais non, je crois vraiment qu'il faut que je commence sur la droite. Que je me débrouille différemment. Il y a ce truc là aussi. Je crois avoir une idée. Non, 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 ça va pas. Je voulais revenir en arrière. Parce que là, si je passe sur... Non, je peux pas passer sur la droite. Ouais, je vais réessayer, mais... Le problème, c'est le chemin du retour, en fait. Puis là, ce truc, je sais pas à quoi il sert. Ah, c'est bon, je crois que je l'ai. Ouais. Je sais à quoi il sert. Sans mauvais jeu de mots, c'est un peu tordu. Hein. Ah. What do you know? You're a natural. Ouais. Looks to me like you shut it down entirely, which makes a lot of sense now that I think about it. I never imagined how much the anchors would mess with the ship's systems when the others installed them. I guess they really fried some circuits down there, huh? On the bright side, I do now appear to have full access to the annex you're standing in. Cool. Now, I know it's a big ask, considering we just met and that I've already insulted you, but if you keep shutting down the anchors like that, I might have a real chance at getting out of here alive. Tu l'as déjà dit tout à l'heure. What do you say? Oh, let me grab those doors for you. Merci. Ok. Il y a un truc là. Il y a un plan là. Je reconnais les plans. Là, il n'y a rien. On peut marcher avec Mage. C'est bon à savoir. C'est quelque chose, ça? Non, c'est rien du tout. Ok, j'ai trop avancé. Il y a quand même beaucoup d'efforts pour pas énormément de gameplay sur l'exploration du vaisseau. C'est un peu étrange. Oula, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça devient orange. Est-ce que je peux faire autre chose avec le orange? Non. On va voir. D'accord, ok. Donc bleu plus orange, ça fait noir, c'est ça. Et après, je peux pas activer quelque chose si c'est noir. Pourquoi pas? Et si je repasse orange, ouais, c'est bon. Pardon. Faut que ce soit orange, peut-être. Oui. Ok, je comprends, je comprends. Donc... Les deux là seront bleus. Et je sais pas comment faire ça. Parce que...
Ouais, c'est bien le problème. Tout simplement comme ça, peut-être. Ah bah non, je suis repassé blanc. Ah ouais, puis ça s'annule. Oh. Ça va faire noir, ouais. Je peux pas faire les deux en même temps d'ici. Je peux faire soit ça, soit ça. Il n'y a rien pour l'accrocher autrement, je crois. Ouais, non. Si je viens ici, c'est noir. Si je viens ici de l'autre côté, ça fait noir aussi. Donc il faut que je commence là, si je dis pas de bêtises. Et si je fais ça, ça s'annule. Donc il faut que je passe obligatoirement par en dessous. Je me trompe peut-être, hein, mais pour l'instant c'est ce que je vois. Je peux ensuite faire ça. Même si je passe ici, ça va annuler. Donc ce que je peux faire, c'est monter là. Et si je fais ça, ça annule la couleur. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir d'ici. Non. Gauche bas, haut droite, ensuite bas droite et haut gauche. Ah non. Gauche bas, haut droite, comme ça. Le problème là, c'est que ça redevient blanc, du coup, je peux plus activer les deux là. Mais je peux effectivement faire comme ça. Mais. Ouais. Et on voit aussi que ça touche pas les deux. Du coup, en fait, il faut que je trouve un moyen d'activer les deux au milieu en même temps, je crois. Et ensuite venir là pour annuler la couleur. Mais je vois pas comment. Parce que là, en fait, ça en active qu'un seul. Là, ça active rien du tout. Et si on fait le truc qu'on n'aurait jamais fait? Non, ça, comme ça va pas. Comme ça va pas. Si on fait ça, ouais. Là, on se dit, oh, on peut rien faire avec ça. Ensuite, on vient ici. Toujours rien. Là. Et là, on est bloqué. C'est pour ça qu'on n'aurait jamais fait ça. Et j'imagine qu'on peut pas réactiver. Si, on peut! Oh, c'est pas gentil ça. C'est pas gentil. My name's Juniper, by the way. I get the feeling you aren't going to tell me yours, so I may just have to give you one. Filament Corp protocol is to allocate every loyal operative a color-based code name. Unfortunately, no one told you that you should just pick one color and stick with it. Honestly, what I'm seeing is a little bit of a mess, so I might need to take a different approach to naming you. Red and blue are heroic, and you are my hero. But those are taken, and with all due respect, you've got nothing on Vermilion and yours truly. When I was a kid, I used to love this book. I would read it over and over again. The main character was Pluto, a socially inept bear with a can-do attitude. He tried his best. So that's what I'm gonna call you. Pluto. D'accord. Yeah, I like it. Pas très sympa. Donc ils ont rajouté plein de couleurs. Et dès qu'il y a deux couleurs, ça s'annule. Donc. Ça sert ça sûrement pour sortir. Quoique. Y a pas de sortie par là. Ouais, y a pas de sortie par là.
d'abord le bleu. Non, ça change rien. D'abord ça. Non. D'abord ça. Yes. Comme ça, je fais ça. Non. Ça va s'annuler. Ça s'annule. On va tenter avec le bleu. Non, ça revient même, je peux pas remonter après. Orange avait l'air bon du coup. Orange, orange, suite. Ce que je peux faire, c'est ça. Puis ça. Et je suis enfermé. Quelle heure il est au fait? Ouh, j'ai un petit peu dépassé. Je vais me donner encore 2 minutes. Je vois ce qu'il commence à faire, mais je sais pas si je suis fan de d'ajouter des couleurs comme ça. Là, je suis bien enfermé. Hein. Mais commencer par en bas semble être la bonne solution pour cette ces deux petits murs. Donc on va. Non, ça marche pas en fait. Si je fais ça, comme ça, comme ça. Ouais, moi ça me fait penser à comment ça s'appelle ce jeu? Cosmic Express. Un jeu où on doit tracer des trajets de train pour amener des aliens chez eux. Et le jeu est sympa, mais j'ai un peu du mal. Je crois que c'est bon comme ça. Ouais, ok. Sauf que là, j'ai oublié une couleur en fait. J'espère que ça va passer. Genre là, ce qui m'embête, c'est que genre j'ai réussi le truc, mais j'ai pas, enfin, c'est plus en forçant qu'en réfléchissant. C'est un peu dommage. Après, ouais, je sais pas. On va voir celui-là vite fait, sinon je passerai à l'autre jeu. Alors, non, déjà ça c'est pas bon. Oula, il a pas aimé ce reboot. Ouais, il y a le problème qu'on voit, qu'on n'ait pas la vision sur toute la salle. Genre, on peut faire ça, mais je peux pas me déplacer en même temps en fait. Et ça rend le truc un petit peu plus compliqué que ça ne devrait l'être. Si je passe par là, ok. Je sais pas comment j'aurai ce bleu. Oui, j'essaie une dernière fois. Si je veux celui-là, il faut que je passe par en dessous ou au-dessus. Si je passe par au-dessus, ici, je peux pas l'annuler. Si je passe comme ça, ça s'allume pas. Donc ça, c'est pas possible. Peut-être commencer par le bleu. Ouais. Bleu, ensuite ça, je crois que c'est bon. Pas tout à fait. Ah si, si, si. Comme ça je... Ah non, non, ça va pas être bon. Je crois que je déteste ce jeu. Bon voilà, ça fait un cliffhanger.
Je vais passer au troisième jeu. Je vais la transition. Hop là, comme ça. Hop. Et le dernier sera Neon Noodles. Donc celui-ci, je crois que c'est un jeu qui est déjà sorti. Mais il est en démo quand même pendant le festival Steam. Hop, ok, est-ce que ça marche? Ça marche. On vient en main full screen. Transition, bim. Donc j'ai déjà mis en AZERTY, ce qui est déjà pas mal. Bonjour, let's start. Oula! Ça commence de manière assez compliquée. Une petite 10 minutes pour explorer ça. Alors le jeu se présente comme un Zack-like, c'est-à-dire comme les jeux de Zachtronic. Et je pense qu'on peut... Si vous connaissez Zachtronic, vous comprendrez peut-être. Le problème là, c'est qu'il y a trop d'infos d'un coup. Il faut que je coupe des avocats. Donc là, il montre ce qui se passe. Ok, il le met ici, il le coupe et il le livre. Ok, plus vite. Ok. Niveau 1, c'est regarde comment le jeu fonctionne. Ok. Quoi? Ok. Ok. D'accord, tout est automatisé en fait. D'accord. Alors, l'interface est compliquée, mais les commandes, c'est beaucoup plus simple que ce que je pensais. J'imagine que c'est du poisson coupé, ça. Ah non, il veut que je commence par lui. Ok, donc tu viens jusqu'ici, tu... Quoi? Hop. Mais j'ai pas mon avocat. Ah mais oui, non, c'est parce que c'est la programmation. Return to start. C'est ça. Ok. C'est. Ok, c'est bon. Je me suis embrouillé tout seul. Je sais pas si c'est compréhensible comme ça. En fait, c'est un Zachtronix mais overcooked. Please. Ok. Ah bah oui, non, il y a un bug là. Il y a un bug dans votre programme. Vous avez oublié de reprendre vos aliments. C'est pas très malin ça. Donc on prend ça. Ensuite, on. Non. Ah oui, d'accord. Step, step. Donc c'est V. Jusqu'au pro... Il est... Ok, ici. Wait. Ouais, c'est où? Q. Wait. Ok, play. D'accord. Ouais, voilà, c'est... Stop, stop. Je peux faire ça comme ça, d'accord. Non, je peux pas faire ça comme ça. Si je peux faire ça comme ça. Ah. Quoi? Là, je sais pas pourquoi je dois couper 4 fois, par exemple. On va dire que c'est... Les crevettes, c'est toujours comme ça. Mais c'est bizarre. What the... C'était pas ça? Ah ok. Depuis le début.
Ok. Shrimp. Pilch shrimp. Le robot. Ensuite, on édite le robot. On va chercher ça. Hop, j'en ai un. Je le pose ici. Je coupe 4 fois, a priori. Mais... ou alors c'est que 3 fois et je le récupère. Je ne sais pas. J'ai peut-être une fois en trop. Ouais, c'est ça. Est-ce que je peux... ouais. Ah, j'ai oublié de revenir. Stop, 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 stop. Quel idiot. Quand t'es ici, tu fais ça. Voilà. 1, 2, 3. Ouais. C'est un peu bizarre comme principe. La manière dont ils ont fait leur, leur enregistrement de d'action. Donc les deux ingrédients doivent être ensemble. C'est ça et... je sais, je sais. Je vais faire ça, ensuite là. Et... j'optimise déjà à fond. Et on sert ici. Hop là. Non. Enregistre le robot. Ok. Tu prends ça. Tu mets là. Tu prends... non. Non, non, non. Ça va pas. Là. Tu poses. Voilà. Ensuite, tu prends. Tu poses. Je suppose que tu wait. Non. Non, non, non. Ça va pas. C'est pas ça. C'est ça. Voilà. Ensuite, tu prends. Ensuite, tu poses. Et ensuite, tu reset. Est-ce que ça marche? Non, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas, là. Stop. Ah, 3, c'est marqué ici. Ah, c'est là-haut, les recettes. Fallait le dire. Voilà, c'est tout de suite plus facile quand on a les recettes. Regardez-moi ça. Je suis dans le dans les tops. Retourne de menu. Il me reste 4 minutes. Dans le Discord, n'hésitez pas à rejoindre le vocal comme ça pour me dire quand ça sera l'heure. Parce que peut-être que je vais pas voir à la minute prête. Alors, c'est un peu compliqué là. Qu'est-ce que... il faut que je fasse du riz plus du poisson. D'accord. C'est vraiment overcooked. Dans ce cas, alors, on va déjà mettre la fin ici, on va dire. Non, au milieu, plutôt. Ça, c'est le résultat. Il faut du poisson. Il faut du riz. Il faut du... ça. Le rouleau. Il faut couper. Et il faut... je veux te déplacer, toi. Voilà, tu viens ici. Toi, tu vas bouillir. Voilà. On va te déplacer ici. Et toi, ici. Alors, je suppose que quand je vais utiliser ça, ça le finira, le sushi. Donc, on va mettre le robot là. Il faut programmer le robot. Voilà. Donc, on prend le riz. On se retourne. On le met ici. On va chercher le poisson pendant ce temps. On coupe le poisson une fois. On prend le riz, peut-être, le rouleau, et on livre. Et ensuite, on retourne au début. J'y crois pas. D'accord, j'ai oublié de reprendre le poisson. Alors, j'ai oublié de reprendre le poisson, c'est après couper. Après couper, tu reprends le poisson. Le riz chaud, on coupe le poisson, on prend le poisson. On... non, ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Stop, 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 stop. D'accord, il faut que je le pose sur le rouleau. Alors, une fois que tu es ici, tu viens ici. Et tu fais ça. Voilà. Et ensuite, tu reviens là, parce que je crois que c'est comme ça que ça marche. Peut-être qu'il va tourner en trop. Ouais, 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 botte collision. Botte collision. T'as tourné une fois de trop.
On arrête, on enlève le virage et on reprend. On y croit cette fois. Ah bah non, 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 non. Faut reprendre le rouleau aussi. Voilà. Là, ça devrait marcher. Ouais. Ouais. Ah ouais, non, ok, ok. Avant de prendre le rouleau, il faut faire le sushi. C'est... Franchement. J'ai jamais fait de sushi, on dirait. C'est évident. Voilà, mais oui. C'est clair. Bonjour, j'entends quelqu'un. Bonsoir. C'est moi. Bonjour. Bonsoir. C'est nous-mêmes. Il est 20h, ça y est. Il est 20h. Il est 21h même. Oui, 21h, pardon. Bon bah voilà. Et on voit que j'ai bien foiré celui-là par rapport à celui d'avant. Et c'est un Zach-like, mais c'est un peu bizarre. Alors, je vais nous remettre sur sa transition, bim, en quittant, voilà. Et pour une fois, j'ai pas fini sur un échec, ce qui est une bonne chose. Et je stop streaming, et du coup, on va passer à Don't Starve Together, et je crois qu'on est 3, 4 ? On est 3 pour l'instant. D'accord. Eh bien... Et qui veut vienne, hein ? Tout à fait. C'est un de vous deux qui va host, c'est ça ? C'est... Ouais. D'accord, ok. Et du coup, tu joues avec nous, toi, Nathan ? Tout à fait. D'accord. Oui. Oui, oui, je t'expliquerai. Eh bien, au revoir et à bientôt. À tout de suite même. Je coupe le stream. Vas-y.